demander ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Oui, pas seulement. Œuf poché. Œuf poché. On va faire aussi une crème au lard, infusée au lard. D'accord ? Donc on commence. Quand on épluche un potimarron, prenez, on coupe les deux extrémités. On coupe les deux extrémités du potimarron. Le potimarron, la peau, elle se mange. Mais nous, on va l'enlever exceptionnellement aujourd'hui. Voilà, donc là, on va éplucher notre potimarron. Et là, on va faire des tranches. Faites attention de ne pas vous couper. On le fait petit à petit. Vous changez de sens. Voilà, donc là, elle épluche l'oignon. Ensuite, sur l'oignon, on a deux côtés. Un côté qui est un petit peu plus vert que l'autre. Vous voyez ? L'autre côté où ça fait un petit tronc. D'accord ? Celui-ci ne se mange pas. Donc, on va commencer par l'autre côté. Donc là, vous allez couper de fines tranches. Attention de ne pas se couper. D'accord ? Donc vos doigts sont inclinés de façon à ce que jamais vous puissiez vous couper. D'accord ? Bien droit. Voilà, et donc là, pour éviter le gaspillage, on va couper tout ce qu'il y a autour du tronc. Alors, au niveau de la cuisson, on va commencer par ajouter un filet d'huile d'olive. Voilà. On attend bien qu'elle chauffe. Voilà, donc on attend vraiment bien que l'huile chauffe. Ce qu'on veut, c'est que vraiment les oignons soient saisis. Il faut vraiment que ce soit très chaud. Donc là, vous allez commencer à voir que ma sauteuse va arriver à bonne température. Vous voyez un petit peu qu'il y a de la fumée qui s'échappe de la viande. Et le but, c'est que voilà, l'oignon, en fait, il faut vraiment l'entendre crépiter. S'il crépite, c'est que l'huile est à bonne température et que là, je vais pouvoir vraiment bien faire sauter mes oignons. Donc voilà, là, mon huile est bien chaude. Je vais pouvoir ajouter mes oignons. Voilà. Sans coloration. Vous avez tous vu, au niveau de la couleur, il est quand même bien blanc. Le but, c'est vraiment qu'il garde à peu près cette couleur-là. Donc là, je vais vous laisser vous approcher tout doucement. Vous allez voir que l'oignon, il s'est quand même ramolli. Il s'est ramolli uniquement parce que, ben, au contact de la chaleur, forcément, il va perdre son eau. Et il va se rendre beaucoup plus mou. Voilà, donc là, j'arrive à ce qu'il me faut. Donc pas trop coloré, juste sué en fait. De quoi enlever l'eau de la végétation et enlever vraiment le gros oignon qui est désagréable. Donc là, je vais faire revenir également le potimarron. On va utiliser du vin blanc pour déglacer. Vous entendez tous ? Déglacer. Donc là, je mets vraiment en faible quantité. Hein. Je vais quand même, j'en mets, mais vraiment pas énormément. Donc voilà. Je vais doucement. Donc,
pouvoir déglacer justement. Que tous les sucres en fait, une fois que vous faites un sucre, le sucre en fait, donc quand vous faites par exemple suer des oignons, ou que ce soit des oignons après que vous utilisiez des carottes ou quoi que ce soit, votre légume va libérer ce qu'on appelle les sucres. Voilà, donc c'est en gros vraiment voilà, les saveurs. C'est ce que comme je vous ai dit, on fait suer les oignons vraiment pour qu'ils perdent un peu leur goût vraiment qui est désagréable en bouche. Et forcément on va le retrouver. Et on déglace en fait pour pouvoir justement réunir toutes ces saveurs là et pouvoir les garder. Donc un fond blanc c'est de la volaille. Donc vous prenez votre volaille entière, vous la mettez dans de l'eau avec des légumes. Chauffez. Ce qu'on fait, on mouille à hauteur. Mouiller à hauteur, c'est ajouter le fond blanc vraiment jusqu'en haut. Ce qu'on veut, c'est vraiment que le liquide recouvre le petit marron et les oignons pour justement que tout soit cuit homogénéisement. Pour accélérer la cuisson, on va recouvrir ce qui va concentrer la chaleur. Tout ce qui est sur l'étonne de la culture. Chinoisé. Donc pourquoi chinoisé à votre avis? Comment ça s'appelle ce qu'elle tient entre les mains là? Un chinois. Et ben voilà. Alors pour faire des œufs pochés, on fait un départ donc de l'eau avec toujours un peu de vinaigre blanc. Le vinaigre blanc c'est ce qui va faire en fait que le blanc va coaguler et qui va vraiment venir se resserrer autour du jaune. Voilà, donc ça tu vas le verser de ce côté. Faut jamais les verser à côté parce que sinon ils vont coller entre eux au début. Voilà, très bien, parfait. Et bah, tu fais les deux autres comme ça. Ce sera magnifique. Voilà, bien dans le coin. Parfait. Et maintenant du coup qu'est-ce qu'on fait? Bah non, on monte. Puis nous on veut qu'ils s'enroulent. Et pour qu'ils s'enroulent, il faut qu'il y ait des bulles qui sortent. Voilà. Et dès qu'on commence à avoir des bulles, on va le réduire. Voilà, il commence tout doucement. Hop. Allez, 1 minute 30. Dès que ça fait 1 minute 30, ah bah allez, on arrête vite le feu. Donc là, voilà, on le prend bien par le dessous. Parfait, ils sont très jolis en plus. Ici, il est parfait. Vas-y, pose le plat. Voilà, tout doucement. Avec beaucoup d'amour, très bien. C'est super tout ça. Super comme ils sont beaux. Il est magnifique celui-ci. Très bien. Après tu prends ton œuf. Tu prends dans ta main. Et lui il est parfait donc tu n'as pas besoin de le toucher. Tu le poses doucement. Hop, tu vois celui-ci là, on va enlever tous ces petits filaments. On va enlever tous ces petits filaments. Voilà. Comme ça, il va être beaucoup plus joli. On le prend tout doucement avec les doigts, sans être brusque et sans le presser dans tes doigts. C'est bon? En fait, on se rase bien au-dessus du bahut. Dès que tu vois qu'il n'y a plus rien qui sort, c'est que... à l'aide d'un mouchon. C'est pour faire passer juste là. Et regardez ce que ça fait en dessous. Ça nous laisse passer voilà. La soupe, mais ça laisse passer aucune fibre. Et vous allez avoir quelque chose de très crémeux et très lisse.